Hey tout le monde, c'est Shine Chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de vous faire aujourd'hui sur Animal Crossing New Horizons. Qu'en effet, aujourd'hui je vais vous faire la fameuse vidéo sans secret dans Animal Crossing New Horizons. Je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une énorme vidéo qui m'a pris énormément de temps à vous faire. J'espère sincèrement de tout cœur que celle-ci va vous apprendre quelques petits secrets directement dans le jeu. Allez, c'est parti! Si ce n'est toujours pas fait, avant de commencer, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Vous êtes plus de 75% à ne pas être abonné à ma chaîne YouTube. Et ça, ça ne va pas du tout. Donc pour y remédier, appuie sur le bouton rouge. Pense à mettre ton meilleur like et ton meilleur commentaire. N'hésite pas aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux qui sont à la fois à l'écran mais aussi en description. De plus, je suis en live tous les soirs à 20h30 sur l'application Twitch. Bref, je pense en avoir assez dit et on va pouvoir commencer dès maintenant la vidéo. C'est parti! Depuis la mise à jour 2.0 de Animal Crossing New Horizons, nous avons le droit à de nouveaux items. C'est-à-dire que nous pouvons avoir désormais des voitures. Il en existe une multitude. Mais le saviez-vous, lorsque vous regardez vers la plaque d'immatriculation, il y a certains messages qui sont indiqués faisant tout droit référence à d'anciennes consoles, comme notamment la GameCube, la Super NES et bon nombre d'autres consoles ayant appartenu à Nintendo. Et ça, c'est stylé. Beaucoup le savent, mais lorsque nous allons au bureau des résidents, en fonction des saisons, les petites fleurs à côté de Marie peuvent changer. Mais savez-vous quelle fleur correspond à quelle saison? Je vais vous les énumérer. Au printemps, nous avons les tulipes oranges, en été, les roses rouges, en automne, les cosmos roses et en hiver, les pensées bleues. Faites bien attention entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, là où les saisons sont inversées. À l'époque d'Animal Crossing New Leaf, mais aussi dans la première version d'Animal Crossing, eh bien nos personnages pouvaient porter, si l'on souhaitait, des casques à cornes. Or, dans Animal Crossing New Horizons, nous ne pouvons pas en avoir. Du moins, je peux vous donner une petite astuce pour les avoir désormais. Je vous avais déjà présenté cette astuce il y a 3 ans de cela, et oui, ça commence à dater. Pour cela, vous aurez besoin du Nintendo Switch Online, oui, toujours. Puis ensuite, je vous invite à scanner les motifs qui sont présents à l'écran. Ce sont des casques à cornes présents dans Animal Crossing New Leaf. Vous pouvez les scanner directement avec l'application Nintendo Switch Online sur votre téléphone, puis ensuite dans votre inventaire sur New Horizons directement, vous cliquez sur la petite croix et vous pouvez récupérer le motif. Donc c'est pratique, vous pouvez créer un casque à cornes de Animal Crossing New Leaf pour ensuite le transférer sur New Horizons. Les deux premiers habitants que vous avez lorsque vous atterrissez sur votre île pour la première fois sont à la fois une fille et un garçon. L'habitant garçon sera de type sportif. Voici tous les habitants sportifs que vous pouvez avoir dès le début du jeu. On peut déjà noter qu'il y a Bouloche et Gérard et ça me fait vraiment plaisir. Et en habitante, vous aurez des habitants de type Rancer. En voici un bon panel à l'écran et franchement c'est trop stylé. Le saviez-vous, l'habitant Kiki est un petit chat noir, faisant référence directement à Kiki la petite sorcière. Et il y a une légende d'Animal Crossing qui ferait référence à Kiki. Puisqu'en effet, lorsque vous croisez un chat noir, la superstition veut que vous aurez énormément de malchance. Et Kiki le démontre désormais dans Animal Crossing, puisque lui-même dit dans ses dialogues que certaines personnes ayant croisé Kiki ont eu beaucoup de malchance. De plus, dans le jeu, il existe certains habitants faisant référence directement aux Power Rangers. Oui oui, directement issus de la série télévisée. Nous pouvons citer Miles, Ninjet, Gertrude et Calin. Petite astuce, petit fait pas très utile, mais Joe Biden possède sa propre île dans Animal Crossing. C'était lors des élections de fin 2021, et bien il y avait une sorte de campagne électorale directement sur Animal Crossing. Le personnage de Rezechi n'est pas disponible dans New Horizons, or dans les précédents opus il était disponible. Mais pourquoi cette disparition? Tout simplement puisque Rezechi a pu traumatiser bon nombre d'enfants et les faisait vraiment pleurer. Moi-même j'ai été traumatisée sur Wild World puisqu'il était absolument affreux avec moi. Lorsqu'il pleut dans le jeu, eh bien les habitants portent un parapluie, sauf les amphibiens, c'est-à-dire toutes les grenouilles, puisqu'en effet une grenouille, la pluie, bon, t'as compris. L'habitante Monica, en anglais, s'appelle Odie, faisant référence tout droit, ayant adoré la version Animal Crossing New Leaf, mais aussi New Horizons. Et donc les développeurs du jeu se sont dit, pourquoi pas faire référence à Odie, la petite mamie de 90 ans, directement avec l'habitante de Monica, qui est une nouvelle habitante présente depuis 2020 dans l'opus. On est d'accord qu'on en a tous marre lorsqu'un habitant vient directement de notre maison dans le jeu
alors que tu ne voulais absolument pas. Or, si vous avez des cafards qui sont tout droit incrustés dans votre maison, l'habitant peut prendre peur et directement repartir. Ça, c'est une réelle astuce. Selon moi, depuis la version New Horizons, certains habitants d'Animal Crossing n'ont pas certaines caractéristiques, ce qui fait qu'on peut facilement se confondre entre les sexes des habitants. Je m'explique. Beaucoup de personnes au début pensaient que Bouloche était une fille, dont moi, alors qu'en réalité, c'est un garçon. Certains habitants que je vais vous citer peut-être vont vous choquer parce que vous pensiez que c'était une fille alors que c'était un garçon et vice versa. Terra est bien un garçon, Chimie est une fille, Bouloche est un garçon, Estrella est une fille, etc. etc. Il y a bon nombre d'habitants, comme notamment aussi Alix, qui est donc un garçon, qui fait qu'on ne sait plus trop si ce sont des filles ou des garçons. Et je trouve ça super puisqu'en effet ça peut enfin rompre la barrière des genres et des stéréotypes. 36 500 clochettes dans le jeu équivaut à 450 € dans Animal Crossing. Puisqu'en effet, la console Animal Crossing dans le jeu coûte 36 500 contre 450 € dans la vraie vie à peu près. Donc au moins vous avez un petit prix et un taux de change. Lorsque vous pêchez, pensez à écouter le son du jeu. Je vous ai déjà dit cette astuce un bon nombre de fois, mais par pitié, il y a toujours un petit décalage et donc à cause de ça, vous pouvez louper vos requins et j'ai vraiment pas envie pour vous. Lorsqu'il est samedi matin à 3h33 du mat, ouais c'est très tôt, il y a les extraterrestres qui apparaissent à la télé pendant, donc vous avez qu'une minute de 3h33 à 3h34, admirez cet événement paranormal dans le jeu, le meilleur easter egg. Je pense que tout le monde le sait, mais Albin n'est pas un lapin, c'est en réalité un costume de lapin. Lorsque vous lui parlez et qu'il est de dos, il pète littéralement un câble, donc ça prouve bien que c'est malheureusement pas un lapin. Ça c'est une astuce que je trouve trop bien, et c'est aussi un petit secret, vous pouvez éteindre et allumer les aquariums, ou vous pouvez même les empiler si vous souhaitez. Avant, en 2020, il y avait une île aux hybrides, c'est-à-dire qu'on avait avec les tickets My Snook accès à une île remplie de fleurs roses hybrides comme on le souhaite. Malheureusement, très tôt, grâce aux mises à jour, à cause des mises à jour, elle a été retirée. Je pense que c'est pour cause de triche, puisqu'en effet c'était très simple dès le début du jeu d'avoir pas mal de fleurs. Dans les données du jeu, avec le data mining, il y a les personnages de Splatoon qu'il y avait dans la version de New Leaf. Or, ils ne sont jamais arrivés. Ça c'est dommage. Depuis la version 2.0, certains habitants peuvent vendre des meubles qu'ils pillent chez eux. Ça arrive de temps en temps, tant mieux si ça vous est déjà arrivé au moins une fois. C'est comme le marché aux puces qu'il y avait à l'époque. Sur l'île de Joe, au mois de novembre, Tortimer est remplacé par Cornimer. Oui oui, un vieux gland. L'une des îles les plus rares avec Amiral est l'île aux fragments d'étoiles. Les extrémités du corps de Terra sont fluorescentes la nuit. Oui oui, l'habitant Ramsès n'est en réalité pas une momie. L'habitant Ramsès a une histoire bien plus sombre que l'on pense. En effet, d'après certaines rumeurs, ça serait l'habitant George qui serait donc décédé et qui serait momifié en Ramsès. Dans les précédentes versions, George possédait un bar. Et d'après la théorie, George serait mort à cause de ce fameux poisson en pêchant. De plus, le vêtement de George porte le numéro 13, synonyme de malchance. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Lorsque des guêpes vous courent après, pensez à prendre un pétard et à leur exploser la gueule, elles vont directement partir. Vous pouvez faire une vraie partie de flipper d'Animal Crossing. Oui oui, Follet et Jaco sont les seuls personnages d'Animal Crossing à ne pas être des animaux, y compris vous bien évidemment. Le prénom de Maurice fait directement référence à l'île de Maurice, qui est donc l'île par rapport au dodo, et Rodrigue par rapport à l'île Rodrigue. Cousette et Layette ont en réalité 10 ans d'écart. Oui oui. Dans Animal Crossing, vous avez accès à un set de manucure. Or, vos mains sont des punaises de rond. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Blair ressemble étrangement à Michael Jackson. L'habitante de Grignotte serait en réalité une bouée gonflable, mais MDR. Le personnage de Pascal fait directement référence au philosophe Pascal, Blaise Pascal, qui est donc français. Puisqu'en effet, il a créé la théorie de la pression de l'eau, et en plus, Pascal dans Animal Crossing est dans l'eau. Vous voyez le rapprochement? Le prénom de Miro en anglais est Stitches, ce qui fait référence aux peluches. Donc en plus, Miro ressemble vraiment aux petites peluches qu'on peut coudre. Simple coïncidence? Grâce à la soucoupe volante dans le jeu, lorsqu'on appuie sur le bouton A, on peut voir des aliens s'en échapper. Porcelette étant trop jeune ne boit pas de café, mais à la place a plutôt accès à un petit biscuit. Lorsque vous appuyez directement sur B dans Animal Crossing pour passer plus vite les dialogues, et bien parfois on peut annuler une action, ce qui peut être dommage. À la place, appuyez plutôt sur le bouton R qui fait exactement le même principe pour avancer les dialogues plus vite sans avoir besoin d'annuler l'action si vous faites un misclic. Christine et Nadine sont des jumelles. Comme le montre la couverture Bubblegum
comme Kiki. Aucun habitant a son prénom commençant par la lettre X. Même pas de Xavier, ça c'est triste. Dans le jeu, il n'y a pas d'habitant plus rare. Raymond n'est pas plus rare que Gertrude. Lorsqu'un habitant craft, eh bien vous pouvez appuyer directement sur le meuble auquel il craft dessus pour ensuite vous-même crafter directement chez eux. Ouais, c'est comme ça ici. Lorsque vous utilisez la coupe avec le chignon volumineux plutôt crépus, eh bien lorsque vous utilisez une casquette, le chignon passe en bas. Aucun habitant ne possède de main, sauf Racine qui a des petites mains articulées. C'est trop mimi. Jackie a été dans le passé un DJ, comme Kéké. Pietro est le seul clown du jeu, mais ça je pense que c'était plutôt explicite. Grâce au DLC Animal Crossing Happy Home Paradise, on peut voir certains habitants sans leurs caractéristiques physiques, comme notamment Raymond sans ses lunettes. Marie s'appelle en anglais Isabelle, puisqu'en effet, lorsque l'on traduit, ça fait Is a Belle, est une clochette. Et en plus, Marie possède des petites clochettes dans ses cheveux. L'imprimante disponible au bureau des résidents est réellement une vraie imprimante qui existe dans la vie. La couverture Regen Keke fait référence à l'univers du jeu Mario. Pensez à aller très régulièrement au Noob Shopping, puisqu'en effet, il y a régulièrement de nouveaux items saisonniers. Et en plus, en ce moment, il y a les items en rapport avec le 14 juillet pour la fête française. Lorsque vous êtes sur une falaise à l'entrée d'un bâtiment, d'un musée, le personnage a une jambe un peu pliée, et ça c'est un micro détail. Lorsque vous n'avez pas cette clochette payée, le café, eh bien Robusto vous donne de l'eau. Eh, c'est déjà mieux que rien. Pensez à vous asseoir au siège du musée, comme ça vous avez une vue absolument panoramique. Je vous invite surtout à le faire au niveau des tableaux, puisqu'on a une vue magnifique de tous les tableaux du jeu, et en plus ce sont des tableaux qui existent réellement. Lorsque vous êtes à l'entrée du musée des fossiles, eh bien vous pouvez voir un astéroïde qui frappe la Terre, et ça c'est pas cool. Pensez à aller au musée lorsque vous êtes resté, puisque la musique du musée de Animal Crossing peut détendre un bon nombre de personnes. En journée, Thibaut dort, puisqu'en effet c'est un hibou. Mais lorsqu'il dort, les petites bulles font du bruit, et ça c'est drôle. Vous pouvez poser ce que vous souhaitez sur le château. Des petits items, ça c'est pas mal. La chaise gaming existe dans la vraie vie, moi-même je la possède. Les items Mario font le bruit des jeux vidéo de Mario. Regardez les petits détails qu'on trouve sur la mallette de Charlie. On peut y retrouver notamment le bus de Let's Go to the City. Marie en anglais s'appelle Fuffy, avec le petit accent. Puisqu'en effet, Fuffy est l'un des prénoms les plus répandus pour les chiens en Italie. C'est un peu l'équivalent de Médor, si vous voulez. La devanture de PC Pro Gamer fait étrangement penser à la surface de Discord. Au passage, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. Ayez toujours dans votre inventaire un débarras et les tuyaux. C'est pratique et vous en aurez toujours besoin. Pensez aussi à aller très régulièrement à la boîte qui se trouve à la mairie, où il peut y avoir certains de vos objets qui ont mystérieusement disparu. Les habitants paresseux se couchent vers 23h et se lèvent à 9h du matin. Et généralement, ils interagissent comme de vrais enfants. Ils peuvent notamment dire « quand je serai plus grand ». Or, ce sont déjà des habitants adultes normalement. Les habitantes arrogantes se couchent à 2h du matin et se lèvent à 9h30. Et les habitants de grande sœur qui cassent tout se couchent à 3h du matin et se réveillent à 11h. C'est n'importe quoi. Est la seule licorne du jeu. Drago est le seul dragon. Jambon et Salami ont des prénoms en référence directement avec la nourriture quand on les mange, ça n'a aucun sens. Dans la ville, il y a des jambons et des salamis. Phrase à méditer. Dans le jeu, il existe certains habitants qui peuvent être des robots, comme notamment la Flèche, Octoborg et Crabo. Certains habitants font directement référence à de la nourriture. Oui, oui, je vais vous les citer. Esther qui fait référence à une pomme, Marine à des agrumes, Calyptus un citron vert, Ketchup à une tomate, Coco à une autre coco, Patty à une pâtisserie, Clarabelle à un hamburger. Dans le jeu, il existe environ 480 habitants, 20 habitants portant déjà des lunettes initialement. Aimé est l'habitant qui fait directement référence à l'ancien PDG de Nintendo, Satoru Iwata. Dans le jeu, il y a quelques références au jeu Splatoon, notamment dans la version anglaise lorsque l'on pêche un calamar où il est écrit It's off the hook, désolé pour mon accent, qui fait directement référence au jeu vidéo, ou sinon il peut aussi dire I hide an inkling, I might. Oh, mon anglais est nul. Référence au nom des personnages de Splatoon dans la version anglaise. Le musée de Animal Crossing Horizons est directement inspiré du National Museum of Nature of Science de Tokyo. Melly et Melo sont des garçons. Trop de personnes pensent encore comme quoi ce sont des filles. Non, ce sont des garçons. Racine est un garçon. Vous voyez les deux habitants, Marette et Chaussette? En réalité, on dit Marée et Chaussée, pour faire référence à la marée avec l'océan et la chaussée exactement pareil. Lou existe sans maquillage et elle fait peur. Jaco et Rodolphe sont l'un des seuls habitants qui viennent une fois dans l'année et c'est le jour de leur anniversaire, puisqu'en effet, Jaco est né le 31 octobre et Rodolphe le 24 décembre, si ça c'est pas beau. Lorsqu'on invite Amiral au musée dans New Horizons, eh bien toute sa famille se ramène. Mamira, Lily, bref, toute la mif. Lorsque vous trouvez un objet perdu dans le jeu, pensez à bien investiguer et en
cliquant sur l'objet perdu, puisque parfois il peut y avoir certains détails pour tout de suite retrouver à qui appartient l'objet. Certains habitants, lorsqu'ils sont assis, ont des petites patounes trop mimi. Dans le jeu, il est possible d'avoir les couleurs en négatif en trifouillant les paramètres de votre console. La police dans le logo de Animal Crossing est exactement la même police que dans le logo de Nintendo. Marie porte des vêtements de luxe, oui, elle porte du Gucci, enfin vraiment sans pression. Le personnage Ticket ou Maria, comme vous souhaitez, un petit turban qui fait drôlement penser à la collection de Carla, dis donc. Les yeux de Ramsès sont plus intenses la nuit, et ça c'est vraiment stylé. Les vêtements devant les sœurs de fées changent chaque jour. Ensuite, on va rentrer dans des petits bonus. Animal Crossing Fly Away est un fandom. C'est un jeu qui n'existera jamais. Beaucoup de personnes pensent que ce jeu sortira à la fin de l'année ou à la fin de l'année 2024. Or, ce jeu n'existera jamais. C'est simplement fandom de personnes qui aimeraient avoir un prochain Animal Crossing. Dans Animal Crossing Horizons, il n'y aura plus de mise à jour. Désolée de vous décevoir. Et ensuite, pour avoir quand même une petite touche positive, en septembre 2023, d'ici les prochains mois, la Gamescom aura lieu. C'est une sorte de grande conférence sur plein de jeux vidéo et il y a le logo de Animal Crossing. Est-ce un bon signe pour un prochain jeu d'ici les prochaines années? Seul l'avenir nous le dira. Bref, en tout cas, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. N'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Cette vidéo m'a pris énormément de temps à écrire, à faire, à monter, donc pense vraiment à liker, à commenter et à t'abonner à tous mes petits réseaux sociaux. Je suis en live ce soir et tous les soirs à 20h30 sur l'application Twitch. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez vous en créer un, c'est complètement gratuit. Bref, moi je vous souhaite une très bonne journée, soirée ou après-midi et on se retrouve comme tous les dimanches et les mercredis à 16h50 pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shine Cherries. Bisous bisous.